Une fois n'est pas coutume, d'habitude vous m'entendez dans un studio de KTO. Aujourd'hui, je suis à l'extérieur devant une opération qu'Habitat Humanisme a réalisée. Elle l'a réalisée sur un site qui appartient aux sœurs Clarisse, à Caluire, dans le Rhône, un très beau parc. Elles ont souhaité que sur leur terrain, un terrain qui nous est loué, il y ait une opération qui accueille à la fois 14 personnes qui sont, on dit, malentendantes, sourds et muets, et puis six foyers qui se sont investis sur ce site dans le cadre d'un béguinage. Alors, si j'évoque avec vous en fait cette opération, c'est que c'est aussi une aventure, et cette aventure, n'est-ce pas aussi le temps de l'avant, de préparer précisément une naissance, c'est aussi notre nativité, comment nous allons à notre tour en fait finalement naître à des opérations, à des projets qui sont de plus en plus humains et qui par là même rassemblent, tant ils sont solidaires, plus encore d'ailleurs, des projets qui suscitent, créent une fraternité. Bien, je crois que nous sommes bien là, dans cet esprit du temps de l'Avent, préparer Noël, où c'est finalement ce Dieu qui vient pour nous dire qu'il a un engagement inconditionnel à l'égard de l'homme. Et donc, s'il y a cet engagement inconditionnel de la part du Seigneur, eh bien, à notre tour, cet engagement aussi à l'égard de nos frères doit être le nôtre. Voilà, simplement ces quelques mots. Merci aussi, puisque nous sommes bientôt à la veille de Noël, pour ce que vous nous avez permis aussi de réaliser au cours de l'année, à la fois votre soutien, votre prière et votre amitié. Merci.